Voilà, je m'occupe des migrants, femmes et filles, parce qu'il y a des jeunes filles dedans, ainsi que les femmes avec leurs enfants. Dire que bon, peut-être les trajets qu'ils ont déjà vécu, on ne peut rien faire pour ça, mais déjà qu'ils sont là, ils peuvent être tranquilles maintenant. Maintenant, ils vont retourner dans leur pays d'origine et être tranquilles, quoi. Ils se sentent écoutés déjà, ça les aide à surmonter, tu vois. Quand tu es là, personne ne t'écoute, ça fait plus d'angoisse. Mais tu es là, tu es écouté, on te dit ce qui ne va pas, tu es là, tu dis ce qui ne va pas, on te cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, malgré tout, on essaye de te rassurer chaque fois. Tu vois déjà la lumière, tu vois déjà que Alhamdoulilah, et bientôt tu seras chez toi sans danger. Parce que quand tu quittes le désert et puis te trouver ici, ils ne sont plus rassurés. Oui. Je demande à toutes les mamans de sensibiliser leurs enfants à rester dans leur pays d'origine. Rien ne vaut que chez soi. Il y a la pauvreté, mais il y a la protection. C'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, c'est vrai, l'argent actuellement, c'est quelque chose, si tu en parles, on va te dire, bon, toi, tu as l'argent, tu ne peux pas comprendre. C'est pas que tu as l'argent, mais moi, je pense que la vie mieux vaut que l'argent. Toi, tu vas chercher l'argent. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vas perdre la vie. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ta vie. C'est ta famille qui est triste ici. Moi, je pense que les mamans, ils doivent plus aimer que les enfants soient près d'eux que l'argent. L'argent, il y a aussi ces jeunes-là, il y a des travails, ils ne font pas ici. Mais là-bas, ils sont prêts à le faire. Mais pourquoi pas faire ce travail chez toi? Il n'y a pas de sous-métier. Avec le gouvernement crée des usines ou bien les sociétés privées qui sont là, il en crée. Donc ça va créer des emplois. C'est mieux de rester chez toi, avoir peu, que d'aller là-bas et puis mourir, pour ne pas dire le mot. Oui.